Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Angèle Tarot. Nous sommes lundi 15 décembre, j'allais dire, non, 15 janvier 2024. Il est 15h quelque chose. 15h26, voilà. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Alors, pour être franche avec vous, c'est ma deuxième vidéo. J'en ai fait une tout à l'heure qui concerne la précarité et les ultra-riches. Je ne sais pas si au moment où je suis en train de faire celle-ci, j'aurais décidé de la poster ou pas. Parce qu'il n'y a pas forcément de réponse à l'intérieur du tirage que j'ai fait, mais il y a quand même quelques petites informations qui sont intéressantes au niveau de ce qui pourrait se passer dans les quartiers de l'Elisa. Ok? Et puis, comme je suis à peu près en forme et que ça faisait déjà un petit moment que j'avais envie de faire cette vidéo-là, celle que je suis en train de faire là, ben voilà, j'enchaîne et puis on verra bien. Donc, c'est parti ou pas, je vous explique. Alors, vous avez vu que j'avais mon pendule aujourd'hui. Et en fait, ça fait un petit moment que j'avais envie de faire des vidéos avec le pendule. Mais d'abord, il faut que je vous explique quelque chose. Parce que le pendule, c'est quand même quelque chose qui est accessible vraiment à tous. Il n'y a pas besoin d'avoir un don pour faire du pendule, d'accord? Et oui, effectivement, le pendule, bah, c'est nous qu'on le fait bouger. Ah, le gros scoop que je suis en train de vous dire. Alors, je ne le fais pas bouger comme ça, hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce qui fait bouger un pendule? En fait, ce sont les pulsions musculaires, d'accord? Et les pulsions musculaires, elles sont activées par quoi? Elles sont activées par l'inconscient. C'est hyper important ce que je vous dis. Parce que ça marche comme ça en fait, un pendule. Un pendule, il va répondre à vos questions, à nos questions, grâce à l'impulsion de nos muscles. Et l'impulsion de nos muscles, eh ben, ils sont stimulés. Il y a un stimuli qui est fait, grâce à notre inconscient. Et l'inconscient, ben, c'est ce qui renferme nos ressentis, notre clairvoyance, etc. etc. D'accord? C'est ce qui fait... Bah, les ressentis, voilà, tout simplement. Vous savez, quand je fais des cartes et que j'ai le ressenti, en voyant telle image ou en voyant tel mot, bah, c'est un petit peu mon inconscient qui vous délivre par voix orale, du coup, avec mon chakra gorge, du coup, les messages. Et bah, là, c'est pareil. Là, sauf que les messages, ils viennent par l'impulsion musculaire, d'accord? Donc, voilà, c'est tout simple. Par contre, il y a quand même plusieurs, on va dire... chose à respecter quand on fait le pendule. D'abord, il faut être en forme, ok. D'abord, il faut pas aller s'amuser comme ça quand on ne sait pas d'aller interroger le monde invisible, les défunts par exemple, hein, parce que là, il y a quand même des choses à faire, il y a des choses à mettre en place, dont le bouclier d'ailleurs que je vous ai partagé la dernière fois. Voilà, là, on peut tout simplement s'amuser avec un pendule pour, par exemple, je sais pas moi. Savoir quel est notre taux d'énergie aujourd'hui, par exemple, en prenant, tenez, j'en ai un là, je crois, est-ce que c'est celui-là? Non, c'est pas celui-là. Bah, par exemple, voilà, émotions et sentiments profonds, là, c'est un cadran que j'ai, hein, c'est une planche, hein, pour savoir si j'ai des émotions positives ou négatives. Il y a le cadran de Bovis aussi, qui est très connu, hein, qui est là aussi pour nous permettre de mesurer notre taux vibratoire. Alors, est-ce que je l'ai là? Voilà, ici par exemple, voilà, j'ai le taux. Alors, celui-là, il va que jusqu'à 60 000, mais j'en ai un qui va, voilà, qui va jusqu'à 4 millions par exemple. Là, donc, on peut très bien s'amuser avec le taux vibratoire du jour. Alors, comment on tient un pendule? Eh bien, tout simplement, on va le mettre ici, dans le creux de la main. On va mettre la chaînette dans le creux de la main. Il faut savoir que le creux de la main, ici, il est relié au chakra du cœur. D'accord? Donc, ça, c'est hyper important. Et en général, on ne le met pas comme ça. Hein. On met pas autant de chaînes. Hein. Bon, après, c'est chacun fait comme il a envie. Mais en général, on ne met pas beaucoup de chaînes. On met, voilà, 5-6 cm de chaîne. Et puis, on le tient, on fait un pincement avec l'index et le pouce. Et surtout, surtout, vous voyez, là, j'ai pas mon coude, il n'est pas là. Mon coude, il est en l'air, d'accord? Pourquoi est-ce que je ne le mets pas là? Parce que du coup, ça va faire une cassure des énergies au niveau de mon coude, d'accord? Donc, je le laisse bien en l'air pour que toute l'énergie circule et que mon inconscient fasse bien les pulsions musculaires, ok? Donc, ça, c'est une position qui est quand même assez importante. Après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'un pendule... Alors, il y a celui-là, j'en ai un en quartz rose aussi, mais enfin, bon, il est au fond. Voilà. Mais un pendule, moi, je me souviens, quand j'étais ado, je pratiquais déjà le pendule, enfin,
voilà, les questions au pendule, je le faisais avec, à l'époque, une bague et un cheveu. Voilà, le cheveu me servait de chaînette. J'avais les cheveux très très longs, oui. Et ma bague me servait de pendule. En fait, un pendule, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Un bout de bois, une pierre, une bague. Voilà, c'est vraiment, un outil, en fait, voilà, c'est un, oui, un outil, voilà, qui nous permet à avoir des réponses, mais peu importe. Alors maintenant, ils font des super beaux pendules, hein, donc pourquoi se gêner? Il y en a qui sont pas très très chers en plus. Donc en fait, voilà. Donc mon pendule, moi, il est réglé, c'est-à-dire que je connais sa convention du oui, du non, du peut-être, etc., etc. Et vous allez voir que moi, j'ai pas la même convention tout le monde, évidemment, parce qu'en général, ce que vous avez l'habitude de voir, c'est un oui sens des aiguilles, ok, un non sens contraire, ok, et un je sais pas ou un peut-être sens vertical, ok. Ça, c'est un petit peu les conventions, on va dire, qui sont utilisées par de nombreux pendulistes, ok. Mais moi, vous allez voir que ma convention, elle est pas, c'est pas du tout ça. Non, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein, on s'est arrangé, enfin, on s'est compris avec mon pendule, avec mes pendules, puisqu'une fois que la convention, votre convention, elle est faite, c'est-à-dire avec votre inconscient et vos pendules, c'est toujours la même convention, d'accord? Il faut surtout pas faire marcher le mental dessus, ok? Alors, je vais vous montrer, si vous voulez, ici. Donc là, ma table, elle est neutre, hein, vous avez vu. Et ici, je vais lui demander de me montrer la convention pour le oui. Et vous allez voir, voilà, il se met en route. Vous avez vu que. Voilà. Alors moi le oui c'est de bas en haut à la verticale. Ok. Maintenant stop. Maintenant tu me donnes la convention pour le non. Voilà. Alors là c'est très léger. Moi je le vois parce que bah, j'ai le nez dessus en fait. Mais ma convention pour le non c'est un oblique vers bas gauche haut droite. Ok. Et maintenant pour la convention pour à préciser. Voilà, vous allez voir, il va faire un rond normalement, voilà, sens contraire des aiguilles d'une montre. Alors je parle en même temps que vous, hein, du coup je ne suis pas super concentrée, mais voilà. Merci beaucoup. Et là je dis stop. Ok. Donc voilà, ça c'est ma convention. Hein? Bas en haut, oui. En oblique, non, et sens contraire des aiguilles d'une montre, c'est question à préciser ou à préciser. Et donc là, après, je prends mon cadran de Bovis pour savoir quel est mon taux vibratoire du jour. Et là, j'ai le droit, hein, puis de toute façon, vous allez le faire, parce que de toute façon, votre pendule, il a absorbé votre convention. Vous avez votre convention aussi, enfin, vous avez les mêmes conventions, du coup, ça n'a pas d'importance. Par exemple, je le fais tourner comme ça, à fond, et là, je vais lui dire, fais-moi un oui. Et voilà, et il me fait un oui. Ok, je peux faire de l'autre côté. Fais-moi un non. Et il me fait un non. Vous voyez? Magnifique, hein? Donc, pour le cadran de Bovis, je vous montre vite fait. Et après, on passe au tirage, hein, parce que là, c'était juste la petite intro, mes amis. Allez, je vais voir comment on fait avec une carte. Donc là, je suis sur le cadran de Bovis pour avoir ici. Mon taux vibratoire, ok, donc je le laisse balader, il se balade, il se balade, il se balade, ok, allez, c'est parti. Alors, le plan physique ici, on est sur du 0, 12 000, en général, on n'y est pas, hein, sinon on est mort, ok, donc vous voyez qu'il s'arrête, il bouge pas, donc je continue, je le fais remonter là, on va s'arrêter là pour voir. En général, j'ai un taux vibratoire dans les 12, dans les 200 000. Voilà, là vous voyez qu'il bouge bien. Donc là je suis sur le plan spirituel, donc là c'est trop haut parce qu'il commence à changer de. Ici c'est pas trop mal. Et là je peux lui poser la question, est-ce que je suis à 500 000 Bovis? On va voir ce qu'il dit. Non, est-ce que je suis à 400 000 Bovis? Ah, aujourd'hui, je suis à 400 000 Bovis. Je suis en pleine forme. Ouais, je suis à 400 000, entre 400 000 et 500 000 Bovis aujourd'hui. Donc, je suis vraiment sur côté plan spirituel, vraiment très haute. Et d'abord, je le sens. Hein, je sens que je suis pleine d'énergie aujourd'hui.
Ok. Maintenant, comment on fait avec les cartes? Tout simplement. Alors, je conseille aussi donc de nettoyer hein, le pendule. Et pour ça, il y a certaines pierres qui peuvent passer sous l'eau. Alors, c'est bien d'avoir de l'eau la plus pure possible. Et puis, vous laissez glisser. Hein, vous ne le mettez pas dans l'eau. Hein, vous laissez glisser l'eau. Ou sinon, moi, j'utilise des fleurs de vie. Je vous montre. Là, j'en ai une. Bah, par exemple, j'en ai une où j'ai laissé mon quartz rose dessus. Vous voyez mon quartz rose qui est exactement la même convention que l'autre. Donc je mets, dès que je m'en suis servi, dès que je travaille avec, hop, je la mets sur ma fleur de vie et ça se recharge tout seul. Et lui, il a la même convention que l'autre, hein, vous allez voir. Mon petit quartz rose que j'aime beaucoup, beaucoup, c'est mon fils qui me l'a offert. Est-ce que tu peux me faire un oui? Il faut attendre hein, parce que alors si on peut faire ça hein, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez voilà, lui donner un petit peu d'entrain et puis là on lui demande est-ce que tu peux me faire un oui? Stop. Est-ce que tu peux me faire un non? Voilà, là il va bien de en oblique. Merci beaucoup. Et est-ce que tu peux me faire un à préciser? Alors, bon, il n'est pas très en forme aujourd'hui. Tu peux me faire un A précisé, s'il te plaît? Voilà, merci beaucoup, très sympa. Voilà, puis une fois que j'ai fini, je le mets ici sur ma fleur de vie, et puis voilà. Ok? Alors, pour quand je fais les tirages, que je le fais pour moi, parce que c'est vrai qu'en ce moment, je ne le fais pas trop sur... en vidéo, ok? Parce qu'il y a toujours cette histoire, elle fait bouger sa main, nanani, nanana, nanani, nanana. Bon. Voilà. Allez voir un petit peu sur. Vous allez voir, il y a des personnes qui sont vraiment très calées dessus et qui vous expliqueront, bah, tout comme moi en fait, hein. Expliqueront que oui, effectivement, c'est nos muscles hein, qui font bouger le pendule et donc c'est vraiment accessible à tout le monde, hein, d'ailleurs. Et je m'en sers moi aussi pour m'ancrer. Ouais, alors je fais pas que du blablatage pour moi, pour faire de l'ancrage, je fais aussi, voilà, avec ça, j'appelle, voilà, j'appelle l'univers de me donner de ce qu'il y a de plus pur dans la terre. J'appelle l'univers de me donner ce qu'il y a de plus pur dans le soleil, etc., etc. Et je m'aligne avec mon pendule. Par exemple, ici, moi, je voulais vous faire quelque chose en rapport avec l'officier et la guerrière de lumière pour savoir où c'est qu'ils en étaient. Ça fait un petit moment qu'on n'est pas allé les voir. Alors, une carte pour la guerrière de lumière, s'il te plaît, oracle des Médéors. Merci beaucoup. Garde. C'est magnifique, hein? Guerrière de lumière ici. Et une carte pour notre cher officier. Énergie masculine, hein? La guerrière énergie féminine, bien sûr. Et nous allons pouvoir travailler ensuite avec le pendule et les cartes. D'abord, on va faire connaissance. Alors, l'officier, il est toujours très long à venir parce que vous savez qu'il a un caractère bah, d'officier, hein, d'homme, hein, une énergie masculine très très forte. Bah allez, on va aller à la pioche. Hein. Allez, pour l'officier, une carte, s'il te plaît, oracle des Médéors. Pour l'officier, j'ai une carte bleue qui s'est nichée ici. On va aller la retourner. Angoisse et peur. Bon, ça n'a pas de conséquences sur notre tirage. Transformation. On est toujours. C'est souvent que je la sors hein, pour l'officier, la carte de la transformation. Et donc, maintenant que j'ai mes deux cartes, on va pouvoir aller les interroger. Après, vous allez voir. Allez, je vais le faire balader ici, là. Donc, on a dit, attendez, on a dit que cette carte c'était la guerrière de lumière et cette carte c'était l'officier, d'accord? Allez, c'est parti. Allez, je le fais balader, mon pendule. Ok, pour bien qu'il reconnaisse les cartes. Ok. Ok, allez. Par qui tu veux qu'on commence? Par la guerrière de lumière ou par l'officier?
Il me dit à préciser. Ok. Montre-moi la guerrière de lumière, s'il te plaît, pendule. Donc, vous voyez bien qu'il va par là. Ok. Allez, on commence par elle. Est-ce que tu veux qu'on commence par elle au niveau des questions? Oui. Ok. Alors, est-ce que la guerrière de lumière est déjà en place sur Terre? Me dis non. Elle n'est pas encore là. Est-ce qu'elle va arriver bientôt? Me dis oui. Ok. Est-ce qu'elle va se réincarner dans une personne que l'on connaît déjà? Me dis oui. Est-ce que cette personne est dans le monde politique? Me dis non. Est-ce que cette personne est dans du côté des résistants? Me dis oui. Ah. Il est indécis quand même, hein. C'est comme s'il me disait, parce qu'il va, il me donne la réponse comme ça, il a tendance à partir vers la gauche là-bas. Je ne sais pas si vous le voyez. Ok. Est-ce que la guerrière de lumière est prête? À peu près, ouais. Il me dit oui, parce que vous voyez le. Le oui est là, mais avant de partir sur le oui, il a quand même tendance à aller vers le non. Donc c'est oui, non, quoi. Hein. C'est pas oui, mais pas tout à fait, quoi. Ok? On est sur du oui, non, quoi. Ok. Est-ce que la guerrière de lumière va apparaître aux yeux de tous? Est-ce que son plan est prêt? Et puis c'est un grand oui, elle est prête. Hein. Ok, merci beaucoup, stop. Ok. Allez, on va aller faire maintenant l'officier. On va aller voir de son côté. Allez, donc je lève toujours mon coude. Hein. Vous voyez qu'il n'est pas là, il est en l'air comme ça. Là, j'ai les... voilà, j'essaye de... Vous voyez bien mes doigts, mais c'est pas évident, mais bon. Donc voici l'officier. Est-ce que l'officier est déjà sur Terre? Ah, lui, il me dit oui. Est-ce qu'il est déjà en place? Est-ce qu'il est en place sur Terre, l'officier? Oui. Est-ce qu'il est prêt à passer à l'action? Pas encore lui. Est-ce qu'il attend que la guerrière de lumière arrive? Est-ce que l'officier est un homme politique? On va demander si est-ce que l'officier fait partie des résistants du coup? Alors oui aussi, donc c'est un homme politique qui fait partie de notre côté, qui est de notre côté. Ok. Est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait lui demander? Est-ce que son plan est-ce qu'il va non passer à l'action, on l'a déjà demandé. Est-ce qu'il connaît déjà, la guerrière de lumière. Est-ce qu'il la connaît, la guerrière de lumière? Est-ce qu'il sait qui elle est? Ou qui elle va être? Oui. Est-ce qu'il attend l'ordre de quelqu'un pour la rencontrer? Oui. Est-ce qu'il attend son ordre à elle, du coup? Oui. Alors vous voyez qu'entre deux questions, il tourne en fait. C'est parce que il attend mes questions en fait. Il attend mes questions. Il est, ça veut dire qu'il est, il est bien, il est là quoi en fait. Hein, voilà. Il est bien ancré. Il attend les questions. Il est un peu excité quoi en fait.
Ok. Est-ce que l'officier a déjà établi son plan? J'ai déjà demandé, je sais plus. Oui. Ok. Est-ce que son action est pour bientôt? Non, il me dit non, pas encore. Parce qu'il attend la guerrière de lumière. Oui. Ok. Oui et non. Il attend la guerrière de lumière ou pas? Est-ce qu'il attend la guerrière de lumière? Non. Il attend l'ordre de qui alors? L'ordre de... Est-ce qu'il attend l'ordre du divin? Est-ce qu'il va arriver lorsque le peuple sera dehors? Est-ce qu'il arrivera lorsqu'il y aura la révolution? Il dit oui. Guerrière de lumière, est-ce que tu arriveras lorsqu'il y aura la révolution? Ouais, une révolution du moins. Elle me dit oui aussi. Ok. Est-ce que tu connais le guerrier, l'officier? Est-ce que tu le connais, l'officier? T'as déjà travaillé avec lui? Elle me dit non. Est-ce que tu es une nouvelle incarnation de la guerrière de lumière? J'ai très très chaud, les amis. Ok. Est-ce que tu es une nouvelle incarnation de l'officier? Oui. Oh, j'ai très très chaud, les amis. Je suis bouillante là. Ouf. Que ça passe. Ok. Allez, on reprend. Alors là, je sais pas si j'ai lâché le pendule. Je me souviens pas, mais j'aurais pas dû lâcher le... Si j'ai lâché le pendule, j'aurais pas dû le faire. Sinon, je vais couper. Ça veut dire que j'ai coupé la connexion. Donc, j'espère pas. On va refaire. Ok. Allez. Guerrière de lumière, est-ce que tu vas te réincarner en une femme d'action? Est-ce que cette femme d'action est déjà sur place? Donc elle fait pas partie du monde politique, c'est ça, hein? Ouais, il me dit non encore. Est-ce qu'elle fait partie je sais pas en fait. Là, de qu'est-ce que je pourrais demander? Est-ce qu'elle fait partie du monde social. Sais pas ce que ça veut dire, enfin, j'ai ma petite idée, mais... Oui. C'est-à-dire qu'elle fait déjà partie, elle mène déjà des actions du côté des plus démunis, en fait, c'est ça? Est-ce qu'elle fait déjà des actions du côté des plus démunis? Est-ce qu'elle fait partie du monde religieux? Non. Donc, elle travaille avec les plus démunis pour l'instant. Enfin, ton incarnation, on va dire, je ne sais pas comment on peut dire ça, tu vas te réincarner en cette femme qui aide les plus démunis. Est-ce que tu penses qu'elle est prête à t'accueillir? Pas encore, ah bon. Est-ce qu'elle en a conscience? Oui, elle en a conscience. Donc, elle n'est pas prête encore. Est-ce que c'est parce qu'il faut qu'elle termine un certain travail d'abord, avant de t'accepter, d'accepter cette transformation? Oui, il faut qu'elle termine quelque chose avant d'accepter de l'accueillir. Ok. Ok. Donc le guerrier de lumière, tu me confirmes, l'officier, tu me confirmes que tu es pour l'instant, tu es dans le monde politique. Ok. Donc tu es connu dans le monde politique. Ok. Est-ce que tu as déjà rencontré la personne qui va jouer le rôle de la guerrière de lumière? Est-ce que tu le sais que c'est elle qui va être la guerrière de lumière? Ok.
Alors je vais réarrêter parce que j'ai vraiment très chaud. Je crois que je suis en train de bouillir, mes amis. Donc voilà, c'était juste pour faire ce petit tirage très sympathique, avoir des nouvelles de nos amis. Et puis pour vous dire comment je travaille aussi le pendule. Quand je travaille avec le pendule. Voilà, je ne le fais pas trop en vidéo. Mais si vous aimez bien, je le ferai. Parce que ça demande beaucoup plus, pour moi en tout cas, de concentration que pour les oracles. Parce que les oracles, bon, ça fait partie de ma vie depuis très 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 longtemps. Le pendule aussi, hein, puisque quand j'étais ado, je faisais aussi. Mais le pendule pompe beaucoup d'énergie. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est pour ça qu'il ne faut jamais le faire d'ailleurs quand on est très fatigué. Il ne faut jamais se servir d'un pendule. Sinon, ça va finir de vous vider. Voilà, donc c'était une petite expérience que j'avais envie de partager avec vous. J'espère que ça vous a plu. Je vais quand même aller avec les métamorphes que j'aime beaucoup en ce moment. Et on va faire quelque chose avec le pendule encore. On va. Alors je les ai déjà mélangés tout à l'heure parce que je m'en suis servi tout à l'heure. On va faire comme ça plutôt. Ça change un petit peu, non, les amis? Qu'est-ce que vous en dites? Hein? Allez, on va faire comme ça. Comme ça, vous voyez à peu près bien. Ok. Allez, puis on va faire choisir. On va faire choisir la carte par notre ami le pendule. Eh bien, on va faire. Alors là, on va lui donner un petit peu d'élan, hein, puisque c'est, on a fait une espèce de demi-cercle à peu près. On va lui donner un petit peu d'élan. Et puis, on va aller voir. Voilà, je lui fais connaître les cartes. Voilà, je peux faire dans ce sens-là aussi. Voilà, je lui fais connaître toutes les cartes. Comme ça, il prend bien l'énergie des cartes. OK. Et après, je vais lui demander d'en choisir une. Alors là, je vais lui donner encore un petit peu d'élan. Alors attendez, parce que hop, voilà. Je lui donne un petit peu d'élan, comme ça, et puis on va voir là où il bouge le plus. On prendra la carte. Non, alors c'est pas de ce côté-là. Hein. Ah, peut-être là. Ah, vous voyez celle-là? Allez, on prend celle-là. Et c'est, je vous montrerai à qui faire confiance. Elle est très belle cette carte, hein, vous voyez cette espèce avec le renard, il y a ce côté un petit peu espiègle, malin, ok. Et je crois que c'est un personnage de manga, ça je crois, je sais pas, mais je sais plus qui c'est qui m'a dit ça d'ailleurs. Donc voilà, donc l'oracle ben, nous donne toute sa confiance et nous donne toute sa confiance, c'est ça? Voilà, et il nous demande de lui faire confiance en fait, parce que voilà, parce que c'est un très bon pendule, pas l'oracle, un très bon pendule. Voilà, donc le pendule avait ce message pour vous aujourd'hui, et je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une très belle soirée. Je ne sais pas si lorsque vous regarderez cette vidéo, j'aurai mis l'autre en ligne. Je suis en train d'y réfléchir pour savoir si ça vaut le coup que je la mette en ligne ou pas. En tout cas, j'étais heureuse de pouvoir partager ces petits moments avec vous. Prenez soin de vous, de vos amis, de vos chéris, de vos enfants, de vos animaux, de vos arbres, de vos plantes, de vous et de tout le monde. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.